بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال العزيز الغفار ذو العز والجلال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام وعلى آله والأصحاب، أما بعد. Les frères, les sœurs, bismillah, j'ai regroupé les paroles de grands savants de Al-Sunna wal-Jama'a et leur position sur le jugement de Al-Shia, Al-Rawafid. Donc, bismillah, on va voir les dires des grands savants et leur jugement sur Al-Shia, Al-Rawafid. Nabda'o, musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala. قال الأوزاعي رحمه الله، وهذا في الشرح لابن بطة: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. الأوزاعي رحمه الله يقول: celui qui insulte Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه، il s'est apostasié et il est sorti de la religion et son sang est devenu licite. وعلى الحقيقة، si on regarde bien, les Shia ne sont pas rentrés dans l'islam pour qu'on puisse dire qu'ils sont apostats. Fahum kuffarun asliyin. C'est des kuffars. C'est des mécréants. Wa qala Malik ibn Anas rahimahullah. Alladhi yashimu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Laysa lahu sahmun aw qala nasibun fil islam. Wa hadha kadhalika fi sharh ibn Batta. Malik ibn Anas, il dit, celui qui insulte les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas de part dans l'islam. Il n'a pas de part dans l'islam. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, man, qala rahimahullah, ma fattashtu rafidiyan illa wajadtuhu zindiqa. Il a dit, Abdurrahman ibn Mahdi, wa wa min kibar al-muhadithin. Donc, il a dit quoi? Il a dit, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé, un rafidi, j'ai pas trouvé un rafidi sans que je puisse trouver en lui un zandaka. Ou un zandaka, c'est pire que la perversité. C'est celui qui montre clairement sa mécréance. Et c'est un khabith. C'est un khabith. Et il a dit, j'ai pas trouvé un rafidi sans qu'il soit zindiq. Sans qu'il soit zindiq. Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, il dit que le zindiq, c'est celui qui montre sa grande hypocrisie. C'est lui qui montre sa grande hypocrisie. Wa qala Abdul Razzaq As-Sanani rahimahullah, ar-Rafidi kafir. Wa hadha fi as-Siyar lidh-Dhahabi. Donc Abdul Razzaq As-Sanani rahimahullah dans As-Siyar, il a dit le Rafidi est un kafir. Wa qala Muhammad ibn Yusuf rahimahullah, ma ara ar-Rafida wal-Jahmiyya illa zanadiqa. Rawahu al-Arika'i. Je trouve que le Rafidi ou le Jahmi sont des zanadika. Le Rafidi et le Jahmi, c'est des zanadika. Wa qala Muhammad ibn Yusuf kadhalik wa hadha fi sunnah lil Khallal. Il a dit, j'ai demandé à un homme sur le jugement de celui qui insulte Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Il a dit kafir, il a dit c'est un mécréant. Qal yusalli alayh, qala la. On lui a demandé, est-ce qu'on prie sur ce Rafidi? Il a dit non. Wa qala Abu Abid, anna al-Rafida sabba, wa la haqqa lahum fil fi', li'annahum ala ghayri l'islam. Qala Abu Abid, que les Rafidi, c'est des gens qui injurent, et ils n'ont pas leur droit dans le fi'. C'est une forme de ghanima, de butin. Li'annahum ala ghayri l'islam, car ils sont sur autre chose que l'islam. Ils sont sur une autre religion que l'islam. Ils ne sont pas musulmans. Wa qala Ahmed ibn Yunus rahimahullah, inna la na'kul zabihata rajulin rafidi, fa innahu indi murtad. Wa hada lil al-Kai. Il a dit, on ne mange pas ce que les rafidites égorgent, car ils sont des apostats. وقال بشر بن الحارث رحمه الله من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. بشر بن الحارث دي celui qui insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام c'est un mécréant فهو كافر même s'il jeûne et il se prétend être musulman même s'il jeûne et se prétend être musulman. وقال عبد الله بن أحمد
أي أحمد بن حنبل رحمه الله، سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أراه على الإسلام. وهذا في السنة للخلال. صديق عبد الله ابن أحمد ابن حنبل a demandé à son fils, à son père. Il a demandé à son père, est-ce que quel est le jugement de l'homme qui insulte les compagnons du prophète alayhi sallatou wassalam? Il a répondu à l'imam Ahmed. Imam Ahmed. Imam al-Mihna. Il a dit, je trouve qu'il est sur autre chose que l'islam. Ma arahu ala l'islam. Il n'est pas sur l'islam. وقال أبو بكر المروزي رحمه الله كذلك في السنة للخلال، سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهما، قال ما أراه على الإسلام. Je trouve qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas dans l'islam. وقال الإمام أحمد كذلك في السنة للخلال، من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافد. Celui qui insulte, c'est-à-dire les compagnons, j'ai peur pour lui, la mécréance comme les rafidites. Puis il a dit, من شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نأمن أن يكون مرقا من الدين. Il a dit, celui qui insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, on est peur pour lui qu'il est sorti, qu'il soit sorti de la religion. Qu'il soit sorti de la religion. وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء page 286 حينما ذكر الرافضة قال ولقد كفروا من وجوه لأنه أبطل الشريعة بأسرها. Ils ont dit, ils sont tombés dans la mécréance à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Ils sont tombés dans la mécréance car ils ont rejeté, annulé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Ils l'ont annulé entièrement. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول ومن اقترن بسبه أن عليا إله أو أنه كان مع النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. Donc dans le صارم المسلول ابن الشيخ ابن تيمية il dit, celui qui insulte Ali ou qui dit que Ali est Dieu, إله, ou il dit que le prophète alayhi sallam, que Jibril s'est trompé en faisant descendre la révélation et que en vrai la révélation devrait être sur Ali et que Jibril s'est trompé, c'est lui qui dit ça. Il a dit, Cheikh Islam Jamia, c'est un kafir. Et celui qui s'abstient de faire son takfir, il devient à son tour un kafir. Wa qala Ibn Rajab rahimahullah. ولهذا تشبهت الرافضة باليهود في نحو 70 خصلة. وهذا في كتاب الحكم الجدير بالإذاعة. ابن رجب يجي كوا يجي للروافد للرافدات يرسمل أو جويف sur plus de 70 points. Au niveau de, ils ont des ressemblances qui dépassent les 70 ressemblances avec les juifs. وهم وهم أصلا من أتباع عبد الله بن سبأ. وكذلك يقول الخميني لعنه الله أن من لازم معتقدنا أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني كالله الموجيس il dit que dans notre croyance, c'est-à-dire الشيعة dans notre croyance, nos imams, ils ont un statut que nul ange ne peut l'atteindre et que nul prophète ne peut l'avoir. C'est-à-dire leurs imams, ils ont un statut, aucun malek, aucun prophète peut l'avoir. Wa yaqulun ahsanu al-hasanat huwa la'nu Abi Bakr wa Umar. Comme ça a été rapporté dans le livre de l'Khomeini, Tuhfatul Awam. Ils disent que la plus grande des récompenses, la plus grande des hasanat, c'est quoi chez eux? C'est maudire Abu Bakr wa Omar, radiallahu anhuma. Donc, هذا هو هذه هي عقيدة الروافد. وجاء في الكافي
les chiites, ils disent aussi, si tu serres la main à un sunni, lave-toi les mains plus de 7 fois. Si le chiite, il dit, si tu touches, tu serres la main d'un sunni, lave-toi les mains plus de 7 fois. Si le فهؤلاء هم الشيعة الخبثاء الروافد. ف on se demande comment les gens de Al-Sunna Al-Jama'a ils disent nos frères Shia. Ils disent nos frères Shia. Regardez maintenant la coalition qu'il y a contre les sunnites. Les Rawafid, ils sont avec eux. Que ce soit avec les Américains ou avec Salibin Al-Yahoud. Comment peuvent-ils être affiliés à Al-Bayt et insulter les mères des croyants, Aïcha, Hafsa, radiallahu anha, rafadou l'islam. Ils ont refusé. Wa shi'a, c'est le monasa, walakin rafida, rafadat l'islam, bi asri. Rafadat l'islam, elle a refusé l'islam entièrement. Donc, lihada, فنقول أن الرافضة عوامهم وعلماؤهم وهم كفار 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 ولا يجتمع المتناقضين فنسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله